Salut mes petits loulous, je voulais faire une petite vidéo pour aujourd'hui supplémentaire. Alors, avec l'oracle de Marie. Donc, on va faire une méditation, enfin, en tout cas, un message, l'oracle de Marie. Et je tenais à m'excuser pour la vidéo précédente que j'ai postée. Mon Dieu, le son, il est pas top. C'est tout simplement que en ce moment, j'ai un petit problème de branchement. Et du coup, à chaque fois que je branche l'imprimante, je débranche mon micro et des fois j'oublie de rebrancher mon micro qui est bien plus agréable que le micro de l'ordinateur. Voilà. Donc j'ai fait attention et là il est bien branché, tout va bien. Un, deux, un, deux. Voilà. Et là je sais que le son et le ton et le son ton et le son ton. Bon bref, est meilleur. Bon. Alors, c'est du bazar partout, ça. C'est le passage de ma fille. Allez, j'ai envie de voir ce que l'oracle de Marie, Mère universelle, on va se connecter, on va demander quel est le message que Marie veut nous envoyer actuellement, maintenant. Alors, attends, j'enlève ça. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de t'offrir un petit moment de pause, de détente, tout simplement. Moment de calme. Et on va demander à Marie quel est le message qu'elle a à te transmettre. Alors, j'ai en coupe, elles sont belles ces cartes. J'ai en coupe la carte 28, Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Océan de la Renaissance. Et la carte 2, Notre-Dame qui murmure à notre cœur. J'ai l'impression qu'on va parler d'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça comme ça. Amour, amour, toujours. Et la carte que j'ai tirée, bah oui, je vais quand même te la montrer. Voilà, je fais un petit peu de place sur mon bureau. Pas bouger. Pas que ça tombe. Voilà. Alors, on est parti. Waouh. Ah, mais j'ai déjà tiré cette carte-là. C'est la carte 18. 1 plus 8, 9, fin d'un cycle, Notre-Dame de la Résurrection. Je persiste et je signe encore, on parle d'amour, peut-être de, encore une fois, de ce fameux, il y a un coup de poker là qui va être joué. J'ai l'impression que, voilà, c'est le message que j'ai. Ça peut être en lien aussi avec le travail, quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps. Mais on va voir le message qu'elle nous donne. On a la chouette qui représente la clairvoyance. On a la rose qui représente. Alors, je ne sais pas si c'est une rose en fleurs, mais c'est très possible. D'ailleurs, le dos des cartes, c'est la rose, la rosaire. Et donc, représente l'épanouissement, la douceur, la féminité. Le rose, c'est vraiment cette douceur, une espèce de douceur. Comme s'il y avait une... comme si on te parle de résurrection, de douceur. Alors, envers toi-même. Attends, je vais. Voilà. Envers toi-même ou une personne. Alors attends, je vais juste essayer de canaliser le message. D'accord, nous changeons de situation. Nous allons changer de situation. Vous allez changer de situation. Tu vas changer de situation pour quelque chose de mieux pour toi et pour nous tous. La clé en ce moment, c'est de s'apporter de la tendresse, de s'aligner, l'alignement. On me parle de l'alignement, alignement des chakras, alignement dans le respect de soi et le respect des autres. On parle beaucoup de respect, encore une fois, par cette, le respect du rythme de chacun et le respect de la pensée des autres. Même si nous ne sommes pas d'accord, il y a toujours quelque chose à comprendre. Donc, je rappelle le cinquième accord toltèque qu'on me répète encore, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Tu peux être sceptique, mais apprends à écouter. Et quelque chose sur la perception. Quand toi, tu peux y percevoir un blocage, une autre personne peut y percevoir une opportunité. Essaye de regarder chaque situation avec plusieurs angles de vue. Une annonce va être faite. Voilà le message que j'ai. Une annonce va être faite. Alors,
soit de toi envers toi-même, soit de quelqu'un d'autre envers toi, soit de toi envers une autre personne, mais de prendre une décision avec son âme pour se respecter. J'ai encore le mot respecter. Il y a peut-être des gens là qui regardent, qui ne se respectent pas encore dans leur choix de l'âme, qui disent par exemple non, 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 je rêve d'avoir des animaux chez moi, mais pour le moment ce n'est pas possible parce que financièrement ou parce que l'animal serait triste, parce que je n'ai pas de jardin ou j'en sais rien. Non, ça c'est se leurrer parce que en fait, si ton âme appelle à avoir un animal chez toi, c'est bien que tu es en capacité déjà de lui donner tout l'amour qu'il lui faudra, avec ou sans jardin. Parce qu'en fait, les solutions se trouveront au fur et à mesure. Voilà le message. Les solutions se trouveront au fur et à mesure. C'est que peut-être tu as tellement peur de sauter dans l'inconnu que tu n'oses pas alors que ton âme crie de l'écouter. Ok. On parle de... de toujours voir le beau en toi. Au lieu de te rabaisser, de te sous-estimer ou de t'auto-détruire ou de t'auto-saboter, apporte-toi cette douceur dont tu as tant besoin et celle que tu attends à l'extérieur, arrête de l'attendre et apporte-la toi à toi-même. D'où l'importance de ce confinement, c'est pas pour rien. C'est pour que tu sois coupé du monde et que tu sois obligé, quelque part, de t'apporter ce que tu pleurais avant. C'est ce qu'on me dit, ce que tu pleurais avant. Ou quémander, quoi, tu vois. Ce que tu pleurais, ce qui te manquait, ce que tu disais te manquait. Alors qu'il y a bien pire, il y a des gens qui vivent des situations bien pires que toi. Reste dans le moment présent et sois dans la gratitude à chaque instant. Sois honnête avec toi-même. Le message est là. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu dis vraiment ce que tu ressens? J'ai le message « je suis là ». Comme si tu attendais un message, une réponse, on te dit « je suis là ». Et ça fait deux fois que j'ai ce message dans la journée. D'ailleurs, j'ai posté une musique de Tal qui dit cette phrase-là à un moment donné aussi « je suis là ». Ne m'efface pas de ta vie, ne m'efface pas de ta mémoire. Tout a une raison d'être et grâce à moi, tu as grandi quoi qu'il en soit. Donc, remercie. Cette pseudo-malédiction que tu penses être un fardeau à porter. Or, quand tu t'en seras vraiment libéré, tu en comprendras le sens. Sois doux avec toi, mon enfant. C'est vraiment ce que je ressens, c'est cette douceur que tu as besoin de... La douceur que tu as envie de reporter pour les autres, offre-la toi à toi-même. C'est trop beau. Je ressens vraiment des messages très, très doux. Très cohérent avec le cœur. On parle de la cohérence cardiaque, si tu as du mal à te recentrer. La cohérence cardiaque est un outil très intéressant. Regarde sur Internet, YouTube. Quand tu as un doute sur tes ressentis, quand tu te poses la question si c'est une illusion ou pas, on te dit reconnecte-toi à ton cœur, écoute ton cœur ne te mentira jamais. Ne cherche pas à savoir ce que les autres pensent, centre-toi sur tes propres pensées et ta propre valeur et la propre estime que tu as de toi-même. Arrête de te comparer. Et alors, j'ai un petit message qui est peut-être pour une minorité qui me regarde, mais arrête de croire que tu es tout seul ou toute seule. Arrête tes plaintes. Arrête de te plaindre. Observe ta journée. Est-ce que dans la journée, tu t'es plaint beaucoup de fois, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. À toi de réfléchir. Voilà ce qu'on te dit. Est-ce que tu t'es remercié une seule fois dans la journée pour te remercier de quoi? Des efforts que tu as faits ces derniers temps ou des progrès que tu as faits? Est-ce que tu t'es remercié toi-même?
Oui, c'est ça, d'avoir guéri des blessures toi-même, sans avoir eu besoin de l'aide de qui que ce soit, entre guillemets. Respire. Et pars à l'aventure. Cette vie est une aventure, cette vie est une expérience. Prends-le comme telle. De toute façon, nous passons tous par la case départ et par la case fin. Donc autant profiter du voyage et ne pas s'emprisonner soi-même, ni emprisonner les autres dans nos douleurs ou nos blessures. Prendre toujours de la hauteur. On me dit que les personnes qui regardent sont des personnes qui sont assez bavardes, potentiellement, ou qui ont beaucoup de bavardage intérieur. Alors là, j'ai vraiment deux types de collectifs, là, c'est-à-dire des gens qui font que se plaindre et qui ont un bavardage intérieur en se disant c'est toujours la faute des autres. Et donc à toi de voir si tu te reconnais là-dedans. Et on t'invite pour que tu puisses être mieux intérieurement et que tu arrêtes de te prendre des bûches sur ta route, de switcher dans la positivité. Et pour les autres personnes, vous êtes dans l'abondance et vous êtes dans le tout juste, dans le juste. Magnifique. Je sens une belle, belle, belle énergie. D'un côté, vous avez repris ou tu as repris un côté sauvage, un côté pouvoir. J'ai repris mon pouvoir. Je suis comme ça et c'est comme ça. Voilà. Je m'assume, j'assume. C'est ça. Ok. Bon, j'ai tiré une carte. La carte qui ressort. C'est les âmes jumelles, les flammes jumelles. Et en fait, tu verras que je suis interloquée par le bruit. Mais je regarde l'heure, ben oui, c'est là où on applaudit les soignants et on vous remercie infiniment. Ouais, ça aussi. Allez, histoire d'auteur. Attends. Avec deux doigts, le bruit qu'on peut faire, eh bien, il y a même les oiseaux qui s'envolent en face. Je suis désolée, je t'ai peut-être explosé les tympans. Mais la gratitude, c'est ça aussi, c'est le montrer. Voilà. Et les premiers jours, on n'entendait pas autant de bruit. Au final, j'étais hallucinée. Alors, du coup, je sortais vraiment mon arme magique, c'est-à-dire le sifflement. On disait, hé, les gars, réveillez-vous. Et alors, ici, c'est rigolo parce qu'on est un petit peu en cité, on va dire. Hein, on va dire ce qui est. Les gens, ils sortent avec leurs casseroles. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais c'est rigolo parce que du coup, t'entends, tu sais, ils sont prêts avant de faire cuire le couscous ou, ou la paella ou les bolognaises, j'en sais rien. Mais c'est très rigolo. Je sais pas si t'entends. Voilà, donc pour ceux qui peut-être ne savent pas, je ne sais pas, parce que je sais il y a le Canada, il y a enfin beaucoup de pays qui me suivent. À 20 h, on applaudit évidemment pour remercier tous les aides-soignants, pour montrer qu'on est là, pour montrer qu'on leur envoie de l'énergie. Frapper des mains, ça envoie de l'énergie, c'est comme dans les concerts, c'est tout ça. Et ça fait du bien et ça les aide aussi. Moi, je demande à ce qu'ils relâchent les tensions à chaque fois que j'applaudis et de leur envoyer la plus belle des énergies pour qu'ils dorment bien, se reposent bien, pour repartir bien le lendemain, pour être avec une nouvelle vision aussi. N'oublions pas qu'ils ont choisi, ou que toi, si tu es soignant ou dans le médical, tu as choisi ta mission de vie. Et elle est magnifique, elle est très belle. Et tu as le droit aussi d'imposer, comment dire, d'exprimer au gouvernement ta souffrance du fait d'être, d'avoir été mis de côté, d'avoir été complètement. Quand on montre des boulons qui se serrent, tu vois, comme si on t'avait serré la vis, parce que, comment dire, à un moment donné, être trop gentil ou ne pas s'affirmer plus ou ne pas dire, écoutez, ses ressentis, ses intuitions, parce qu'il y a plein de gens qui ont regardé, qui ont exprimé, des médecins, des infirmiers, des infirmières, etc., qui ont exprimé le fait que ça fait des années qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de moyens et que s'il y a un jour un problème, et même c'était déjà des problèmes réguliers, récurrents et tous les jours. Et moi qui connais bien les hôpitaux, c'est pareil. Effectivement, on voit le manque d'organisation, parfois de moyens, et tout simplement parce qu'effectivement, les hôpitaux sont dirigés par
par des financiers et non des personnes humaines, enfin qui sont vraiment sur la réflexion de l'humain et non de la rentabilité financière. Voilà. Mais les choses changent et les choses vont changer, ça j'en suis persuadée. Parce que à un moment donné, tout le monde revient à l'essentiel, à la priorité, et malheureusement, ça passe par ben, la perte. Passer par la perte, ça réveille beaucoup de choses. Voilà. Bon, ça c'était la petite aparté. Je suis désolée si je t'ai explosé les tympans en sifflant, mais bon, voilà, c'était histoire de me dire, voilà, je suis dans la vidéo et je suis pas à la fenêtre. Et là, les oiseaux ont repris leur cours. Écoute, le calme a repris. C'est fou. Bon, allez, on est parti. On va écouter Notre-Dame de la Résurrection, voir si le message est en corrélation avec tous les ressentis que j'ai pu avoir et les messages. Allez, on y va. Alors, la lumière éternelle demeure dans mon cœur et quand tu y pénètres, protégée par mon amour pour toi. Cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. C'est en même temps un message pour toutes les personnes qui sont parties trop tôt, les personnes qui sont parties de ce virus, de coronavirus, pour les aider aussi à les guider vers la lumière et à se libérer aussi de leurs souffrances dans lesquelles ils sont partis. Voilà. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreux morts, ces nombreuses morts, et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'en suive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons, par exemple, devenir très anxieux, en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. Toutes les personnes qui ont vécu, ou expérimenté la vie après la vie ont une vision de la mort et de la perte complètement différente que l'être humain non éveillé ou qui n'a pas eu cette conscience encore. Ça, c'est indéniable. Et du coup, d'où la panique et les peurs, etc., qui sont émergentes en ce moment. C'est pour bien que les êtres éveillés aident les personnes qui n'ont pas eu encore cet éveil, les accompagner ou tout simplement être dans un soutien, une forme de soutien. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui en fait nécessairement partie. Ce que je ressentais tout à l'heure, il y a un début et une fin à tout. On a case départ et la case fin, donc autant profiter du voyage. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant de choses encore. Continuellement, quel que soit notre âge, aussi démotivés que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. On parle beaucoup du mot recevoir en ce moment aussi. Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent aussi être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même,
Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse, de sa lumière, de la résurrection, du fait, tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. La chouette, elle m'a interpellée tout à l'heure. Hein. Mais tu vois, on parlait bien d'un coup de poker. Donc, on te dit que tu auras la résurrection, quoi qu'il en soit. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, je sais qu'il y en a qui sont dans cet état en ce moment, et ben, n'hésite pas à aller voir, à te renseigner qu'est-ce que la nuit noire de l'âme et voir si tu n'es pas en train de vivre ça en ce moment. Ça va t'aider vraiment à comprendre des choses. Maintenant, même dans mes anciennes vidéos, tu y trouveras des réconforts, des explications. Donc, je t'invite à tout simplement te faire confiance, poser ta main sur ton cœur et demander à l'univers de te guider sur une de mes vidéos qui t'aidera à te faire comprendre des choses par la bienveillance et la douceur. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'apporter via ma chaîne YouTube. Mais ça peut être aussi sur d'autres vidéos. Demande à l'univers de t'amener sur une vidéo qui va pouvoir t'aider à comprendre certaines choses ou à te faire évoluer si tu en as besoin. Pose, voilà, demande et tu auras. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cette créature nocturne, donc voilà, elle peut t'aider. La nuit noire de l'âme vous a apporté. Oui, c'est ça. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Je l'ai résumé aujourd'hui en consultation, cette phrase-là. Ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Donc, je fais un petit coucou à Stéphanie. Voilà. Et puis à Damien aussi. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. Je répète, on est en pleine situation actuellement. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil, honnêtement, mais elle mène une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence, de la lumière, de la compréhension, que de même que le soleil chasse la nuit, la plus obscure à l'aube, de même, Notre-Dame de la résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Et si tu ne me crois pas, j'ai réalisé une vidéo qui parle de mon témoignage où j'explique un petit peu ben, comment je suis devenue médium, par quoi je suis passée. Eh bien, je suis passée par tout ça, cette résurrection. Je l'ai vécue, mais en chair et en os. J'ai switché dans un autre monde et ça m'a permis de comprendre effectivement un tas de choses. Donc, je t'invite à la regarder si tu ne l'as toujours pas vue. Elle s'intitule « Comment je suis devenue médium ». Tu tapes « Aurélie Magnétique, comment je suis devenue médium ». Et tu verras, j'explique des petites choses, tout simplement ma nouvelle vie en fait, et ma vie d'avant. Prenez note, bien-aimé, votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrerez ensemble. Yeah! Allez, on est parti pour le processus de guérison. Je te laisse te concentrer, te poser, te calmer, si ce n'est pas déjà fait. Allez, tu vas fermer les yeux et écouter ma voix, tout simplement écouter ma voix. Je te laisse respirer, inspirer, en gonflant le ventre, en te connectant à ta respiration, prenant conscience de ta présence, de la vie qui coule en toi, de ce souffle de vie qui est toujours là, présent, de ton cœur qui bat, tu peux ressentir si tu poses la main dessus. Et tu vas pouvoir, une fois que tu as bien inspiré et expiré, tu vas fermer les yeux et relaxer tout ton corps, relâcher tout ton muscle. Relâcher tous tes muscles,
Ressentir les pieds qui sont en connexion avec la terre ou tout simplement ton corps qui est lourd, comme enraciné, bien installé, où tu ressens tous les points de contact. Alors tu peux être assis ou allongé, peu importe. Sens comme tu es bien, somme comme tu es vivant, vivante. Et que tu peux te relâcher et profiter de ce moment-là, à écouter ma voix. On est parti pour le processus de guérison et affirmation. Vous êtes assis à côté d'une femme. Ferme les yeux et visualise, imagine tout simplement que tu es assis ou assise à côté d'une femme vêtue d'ample robe blanche sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux. Et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité. La femme se tourne vers vous et, en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Et vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangée. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur. Et sachez que vous êtes béni d'une nouvelle vie maintenant. Ressens cette légèreté en toi maintenant. Peut-être un sourire apparaît sur ton visage. Et je t'invite à répéter ce processus de guérison par l'affirmation intérieure suivante que tu peux répéter 3 fois en silence dans ta tête, sauf si tu veux l'exprimer verbalement. À toi de voir. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mère. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mère. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mère. Voilà, et sur ce, je t'envoie une belle énergie, je te laisse.
Continuez à profiter de cette sensation et de cette nouvelle énergie d'abondance. Passe une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à bientôt. Bye bye.